Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser toutes les tyroliennes de cette map. Alors pour accéder à la première tyrolienne, vous allez devoir récupérer la première pièce qui se trouve au gaillard d'avant. Le premier emplacement de cette pièce se trouve derrière l'escalier qui mène à la salle d'entreposage. Le deuxième emplacement se trouve au bout du bateau comme vous le voyez dans le gameplay. Et le troisième emplacement se trouve à côté d'un conteneur rouge appuyé sur un mur. Quand vous avez récupéré la première pièce, vous allez pouvoir mettre la tyrolienne en position sur le pont principal. Ensuite, pour la deuxième tyrolienne, vous allez devoir récupérer aussi une pièce qui a trois emplacements. Les trois emplacements se trouvent au poop, donc de l'autre côté du bateau. Le premier emplacement se trouvera du côté droit du bateau, à côté gauche d'un tonneau jaune. Le deuxième emplacement se trouvera en face de l'atout, à côté de ces deux caisses blanches. Et le troisième emplacement se trouvera à l'intérieur de cette pièce, à côté des sacs de sable. Quand vous avez récupéré cette pièce, allez sur le pont supérieur pour mettre en place la tyrolienne. Quand vous avez mis en place ces deux tyroliennes-là, vous allez pouvoir monter tout en haut du phare au niveau 4 pour récupérer la poignée de la tyrolienne. Cette poignée vous permettra de remonter toutes les tyroliennes et vous permettra de monter jusqu'au complexe comme vous le voyez dans le gameplay. Et voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swarkulo Mike et ciao. Peace.